Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, des clients. Attention, ils sont triés sur le volet. Ce sont nos invités de prestige. Ils viennent tout droit de Nice. Manon Fiorot, Aldric Cassata, notre couple goal français. Comment ça va? Bonjour Seb, très bien et toi? Comment ça va Manon? Alors, on va parler de votre actualité, elle est très très riche. On va parler aussi de ton histoire beaucoup Manon, de votre histoire de couple également. Mais avant cela, eh bien, il y a les news avec Seb. Islam Makhachev qui a eu très chaud face à Volkanovski, Seb. Quel combat et encore un combat controversé, en tout cas pour ma part. Hein. En ce moment, on est sur les décisions un peu litigieuses. Non, il a gagné, moi je le vois gagnant en perdant. Bref, moi, Volkanovski, je le vois gagnant. Ah ouais? Ouais, je le vois gagnant. J'ai bien regardé encore, j'ai étudié. Oui, je le vois gagnant. Ouais. En attendant, c'était un très beau combat, une belle guerre. Ça nécessite un rematch, je pense. Il faut un rematch. Volkanovski garde quand même son classement dans le il est premier pound par pound. Donc voilà, moi j'ai adoré ce combat, mais encore une fois, je n'ai pas compris la décision. D'accord. Alors Aldric, tu es en train de te positionner comme l'un des meilleurs coachs français à l'heure actuelle. Donne-nous ton avis, on veut l'entendre sur ce combat. Moi, j'ai essayé de reprendre le combat aussi plusieurs fois, round par round. Je pense qu'il y a le premier round et le quatrième qui sont indiscutablement pour Islam. Le troisième et le cinquième qui sont indiscutablement pour Volkanovski. Le deuxième, c'est dur. C'est dur. J'ai essayé de le regarder sous pas mal d'angles. La domination au milieu de la cage, le nombre de coups envoyés, le nombre de frappes effectives. C'est compliqué parce qu'ils ont vraiment envoyé le même nombre de frappes, que ce soit frappe normale ou effective. Le temps de contrôle, il est un peu supérieur pour Volka, mais Islam a fait un takedown, même s'il n'a pas apporté de contrôle à ce takedown. Il est vraiment dur à scorer. Après, c'est pour le rematch aussi. C'est vrai que normalement, le plus léger des deux, il devrait avoir un petit avantage, mais on peut. C'est ce qu'on pense au niveau du code de l'honneur des samouraïs, un peu ça. Mais d'un point de vue purement juge, c'est serré. Ça mérite presque un draw, hein, j'ai l'impression. Mais ouais, le rematch, il est indiscutable pour moi. Ouais. Aussi. Bah, écoute, on a hâte. Bon, puis nous, on a une mauvaise nouvelle. On a une mauvaise nouvelle. Moi, ça m'a plombé. C'est ta blessure, Lucie. Voilà. Donc, bon, malheureusement, sur la carte, je ne serai pas au Bellator, malheureusement. À Dublin, et tu t'es blessé au genou. Donc voilà, blessure un peu grave qui compromet en tout cas quelques mois d'entraînement. Donc malheureusement, je ne serai pas au Bellator. Désolé. Oui, mais il y a espoir. Il y a espoir peut-être de te voir, moi, à Paris. Verdict cette semaine. Voilà. Allez, on passe au cœur du sujet parce que la vraie actualité, c'est Manon Fiorot. C'est la figure de proue du MMA féminin français, multiple championne du monde. Elle vise aujourd'hui la ceinture de l'UFC. C'est notre invitée Spotlight. Devenir combattante, c'est pas franchement ce qu'on te conseille quand t'es à l'école. Le conseiller d'orientation, je ne pense pas qu'il t'ait suggéré cette idée. Pourtant, tu es devenue une combattante incroyable en MMA. Tu en vis aujourd'hui. Et pour toi, c'est une histoire de famille, les sports de combat à la base. Ouais, c'est ça. Il y a mon papa qui faisait de la lutte. Donc moi, j'ai commencé par le karaté parce qu'il y avait un club de karaté à côté de la maison. Traditionnel, mais ouais. Voilà, je voulais faire un sport de combat, ça c'est sûr. Et j'ai commencé par le karaté. Et là, elle était trop mignonne. Regarde, on voit ta photo. J'adore. Ah oui. Déjà, on annonce la couleur. Tu vois, le ton. Le premier qui bronche. Là, le ton est donné, tu vois. Donc, une histoire de famille. Pour honorer ton papa, tu t'es lancée dans une carrière dans le MMA. Pourquoi? Parce que c'est proche de la lutte? Ouais, c'est ça. Après, quand j'ai commencé le sport de combat et le MMA n'existait pas, j'ai toujours aimé la lutte, mais je n'ai jamais eu le temps ou l'occasion de le faire. Ouais. Et voilà, j'ai découvert plus tard le MMA et ça m'a donné l'occasion de pouvoir mixer un peu tous les sports de combat que j'avais déjà fait. Et toi, tu es un modèle de persévérance. Parce que souvent, on voit la lumière qu'il y a autour des champions, mais on ne voit pas le chemin parcouru. Rien n'a été facile. Je me souviens très bien de Manon. La première fois que je la vois, elle arrive aux sélections équipe de France amateur. La fille n'a jamais fait un seul cours de MMA, mais elle y croit, tu vois. Elle y croit, elle s'inscrit. Et en plus, elle est étincelante. C'est-à-dire qu'elle a vraiment allumé toutes ses concurrentes au point où elle s'est même qualifiée pour cette équipe nationale. Au début, ça ne s'est pas passé comme tu le voulais, mais c'est normal parce que tu n'avais pas fait de cours de MMA. Et c'est ainsi que tu rencontres Aldric qui décide de cadrer ce cheval fougueux. Aldric, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu l'arrivée de Manon. Elle est venue un jour et tu t'es dit... Il y a quelque chose à faire avec cette fille. Non, très, très franchement, pour l'instant, trois fois dans ma vie, ça m'est arrivé de voir des combattants comme ça qui sont tout de suite impressionnants, même si techniquement, ce n'est pas encore au point. C'était Manon, Mehdi Dakaev et Axel Sola. Ouais. Et quand tu vois Manon dès le départ, tu vois
un instinct, en fait. Tu vois, dès le départ, il y avait énormément de qualités, un instinct du combat, un fight IQ très important, même si la technique ne suivait pas forcément. Et il n'y avait plus qu'à travailler là-dessus, et mais beaucoup travailler. C'est vrai qu'on voit maintenant, on croit que c'est facile. Rien n'est facile, et ça a été à bien 4-5 heures de travail par jour pendant 2 ans et demi, 3 ans, avant que ce soit vraiment le jeu qu'on voulait faire et le jeu qu'elle voulait faire. Alors, quand tu dis 4-5 heures d'entraînement par jour, on est sur 2 ou 3 entraînements ? On était sur 2,5 parce qu'on faisait aussi pas mal de technico-tactiques avec des drills, des répétitions techniques qui duraient longtemps, qu'elle détestait d'ailleurs. Donc c'était hyper dur qu'elle déteste toujours même. Mais, elle a glissé comme ça. Chérie, j'aime pas. Donc ouais, c'était beaucoup de travail. Et comment on reconnaît un futur champion ? Alors, donc il y a ce fight IQ dont tu parles. Elle avait des prédispositions pour toi ? Ouais, du talent, mais à polisser, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, sur le travail au sol, elle avait un bagage technique qui était presque infime. Mais par contre, à l'instinct, elle arrivait à repérer quand le partenaire laissait un peu trop d'espace, comment il fallait se relever. Même si tout ça était instinctif et presque animal, tu vois, mais il y avait déjà de l'intelligence dans le fight et on a juste greffé une palette technique par-dessus, après. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre Manon et les autres ? Là, au-delà de cette arrivée dans la salle, plutôt au niveau de sa concurrence, au niveau mondial, qu'est-ce qui fait la différence entre elle et les autres ? Moi, je la vois déjà devant. Les gens, ils vont dire, il est fou. Bah, écoutez, prenez-moi pour un fou. Mais il moi, le je dit la vends. Depuis des années. Déjà, non, Valentina. Moi, je le sais. Ouais, ça fait des années qu'il le dit. Hein. Avant même que tu sois à l'UFC, je crois. Même, hein. Ouais. Mais parce qu'elle est plus grande, elle est plus rapide, elle est plus explosive et elle est capable de mettre plus de rythme dans le combat. Donc, peu importe ce que pensent de moi les gens et les fans de Valentina, elle est déjà au-dessus. Elle est déjà au-dessus, elle va le prouver. Elle l'a prouvé déjà si on compare statistiquement le fight contre Jennifer Maia, par exemple, où elle est plus dominante, puisque Jennifer a pris un round à Valentina, mais elle le reprouvera quand elles seront en face l'une en face de l'autre. Alors, vous êtes toutes les deux gauchères, d'ailleurs. Tu as déjà combattu face à des gauchères ? Non, jamais. Des strikeuses, oui, donc ce serait une première. Ce serait intéressant, parce que c'est rare de voir deux gauchères talentueuses en striking face à face. Ouais, généralement, tu prends que des droitières, et là, ça va peut-être un... Enfin, comme dit Adric, je ne me fais pas d'illusions, je suis comme toi. Et on est nombreux à le penser qu'elle est déjà largement au-dessus. Après, on ne va pas mettre la cerveau avant les bœufs, comme dirait ma mère, mais en tout cas, oui, on est beaucoup à croire en ton potentiel, Manon, ça c'est sûr. Mais on va quand même revenir un peu sur ton parcours. Tu as fait donc le championnat du monde IMAF. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu te recadrer, puis tu es devenue championne du monde. Ensuite, tu as fait la ceinture de l'EFC, qui est une belle organisation continentale. Et tu as aussi eu la ceinture UAE Warrior. Donc une réponse incroyable aux différents revers que tu avais pu essuyer en tout début de carrière. Comment tu l'as vécu, le tout premier revers de ta carrière ? Parce que, par exemple, le premier combat, c'était face à Léa McCourt, je me souviens. Ça s'était joué vraiment à une brindille. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais ça, tu l'avais eu un peu mauvaise de mémoire. Après, je déteste perdre, forcément. Donc, ça a été la seule. Ça a été la seule. Et je suis contente, au final, qu'elle soit arrivée en début de carrière. Je sais ce que c'est de perdre un combat. Mais après, c'est vrai que c'était une décision compliquée. C'était pas ma catégorie de poids. J'avais pas encore les armes que j'ai aujourd'hui, c'est sûr. C'est vrai qu'elle est dans la catégorie featherweight. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Moi, je combattais. C'était en 61, donc c'était une catégorie au-dessus et elle était vraiment plus costaud. Catchweight 63. Ouais, voilà, on a fait un catchweight. Oui, donc t'étais pas du tout à ta place, en fait. Du tout dans ma catégorie. Non, pas du tout. Et surtout que j'avais pas du tout les armes que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc finalement, ça a été une expérience qui t'a donné un déclic pour la suite ? Ouais, c'est ça. Ça m'a donné envie de m'entraîner encore plus et de progresser là où il fallait, hein, en sol, à la lutte. Et tu as transformé donc ça en réussite, parce que là, aujourd'hui, tu es bien au-dessus de Léa McCourt, finalement. Bien au-dessus. À l'époque, tu as quitté ton travail en pariant sur ta réussite future. Est-ce que tu as toujours eu confiance en tes ambitions ? Oui. C'est bizarre, en fait, de penser ça, mais... Oui, même si au début, c'était vraiment compliqué et j'avais du mal à l'imaginer. Mais au fond de moi, je savais que les choses allaient bien se passer. Et je me suis toujours vue plus tard en tant que championne et je savais que c'est ce que je voulais faire. Et voilà, après, c'est... Ça, t'as jamais douté de ça ? Ça, là, j'ai jamais douté. Ça n'a rien de bizarre, hein. Moi, je trouve ça au contraire. Sais pas. t'étais focus sur un... Ouais, mais rien n'était facile, en fait. Oui, c'est l'entourage qui est autour. Enfin, c'était, oui, mais c'est compliqué. Justement ça qui c'est à l'image des grands champions. C'est tu sais déjà ce que tu veux, donc tu y vas. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Je suis curieuse.
Bah, en fait, le truc, c'est quand je vois aujourd'hui les jeunes qui se lancent dans le MMA, je vois, bah, ils ont de suite les sponsors, ils arrêtent de suite de travailler pour se consacrer uniquement à ça, alors que moi, ça n'a pas du tout été ça, en fait, au début. Vraiment, quand j'ai commencé un peu ma carrière, même si c'était au début, c'était le karaté, pas forcément le MMA. Mais voilà, moi, je travaillais dans une grande surface, je me levais à 4 h du matin. Je faisais la mise en rayon, je finissais à 11 h du matin, j'allais à l'entraînement, je me reposais un petit peu, je retournais à l'entraînement. Enfin, c'était des journées ouf, quoi. Et j'avais pas cette facilité que je vois les jeunes d'aujourd'hui. J'arrête de travailler, je me mets au chômage et je me consacre à 100% à l'entraînement. Enfin, moi, ça s'est pas passé. T'avais pas ce luxe à l'époque. J'ai toujours eu le travail à côté. C'est vraiment quand je suis arrivée à un haut niveau que j'ai pu quitter mon travail et me concentrer que là-dessus. Ceci dit, il y en a pas beaucoup qui vivent de ce schéma. Et tu dis, les jeunes, j'arrête de travailler. Ouais, enfin, okay, moi, je vois à la salle, on en a beaucoup qui s'entraînent comme les pros, quoi, qui sont là matin et soir. On en a beaucoup qui s'entraînent comme des pros, matin et soir. À quel moment tu décides de te consacrer pleinement à ce projet ? Vraiment, où j'ai tout arrêté, que j'ai arrêté de travailler, enfin de donner des cours et tout ça, c'était après ma ceinture de ma deuxième, quand j'ai signé à l'UFC en fait. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Parce que oui, c'est bien de rentrer à l'UFC, mais les premières primes, même si on a 10 000 plus 10 000, déjà c'est en dollars, donc quand tu fais la conversion, tu perds un petit peu. Et puis bon, bah, après, il y a des charges à payer. Si tu combats aux États-Unis, il faut payer des impôts. Il ne reste pas tant que ça. Donc... Ça dépend des États, mais ouais. Donc tu as parié sur le fait que tu allais vraiment réussir et combattre régulièrement. Là, je savais que j'avais vraiment une grosse équipe autour de moi. J'avais confiance en Aldric et j'avais plus aucun doute à ce niveau. D'accord. Et puis les sponsors ont suivi à ce moment-là. D'accord. Tu parlais justement là de fiscalité à l'instant. Il y a des subtilités comme ça qu'on doit maîtriser quand on arrive à l'UFC. Je pense qu'il serait même bien un jour de guider un peu les jeunes là-dessus parce que j'entends beaucoup de choses là-dessus. Le management, c'est réglementé à 10% et pas plus. Et j'entends beaucoup de sommes au-dessus souvent. Donc je pense que les jeunes doivent savoir. Il y a une loi, c'est une loi française, mais qui est valable partout. Et effectivement, sur la fiscalité américaine, il y a ce qu'ils appellent le tax refund, c'est-à-dire récupérer une partie des taxes en fonction de l'État dans lequel tu as combattu. Et également, il y a des possibilités de défiscalisation avec les frais générés par une préparation. Même l'essence de la voiture, la bouffe. Tu peux déduire des impôts américains ? Ouais. Ah ouais. Après, il faut avoir un numéro de sécurité sociale américain. Il y a des tâches à accomplir, mais ouais, c'est tout à fait possible. Alors, pour avoir ce numéro de sécurité américain, sécurité sociale américain, il faut avoir un visa professionnel. Visa, contrat. Donc là, il faut un contrat à l'UFC, par contre. Voilà, oui. Contrat sur une compagnie américaine, même pas forcément l'UFC, mais effectivement avec ce qu'ils appellent le P1, le visa P1 de sportif de haut niveau. Où est-ce que c'est intéressant de combattre aux États-Unis alors ? Fiscalement parlant, Vegas, Columbus, c'est les deux États qui me viennent en premier parce que ce sont des États où il y a juste la taxe fédérale. Parce que c'est 35 à New York et c'est 15 à Vegas et à Columbus, il y a 20 points d'écart. Oui, d'accord. Ah ouais. En sachant en fait qu'ils te prélèvent 30 et qu'après tu peux faire du tax refund où tu vas récupérer donc les 15 si c'était le cas de Vegas. Donc c'est non négligeable quand même. Donc c'est à la source qu'ils prennent. Ouais. Oui, donc on voit pas la couleur de l'argent. Ouais, on les voit pas. Ok. À l'époque, je me souviens, vous étiez aussi dans des questionnements comment rentrer à l'UFC. C'était, vous torturiez l'esprit à savoir comment y rentrer. Ça a duré un certain temps. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter dans ces moments-là ? Non, franchement, pas de douter. Après, je voulais travailler avec la personne qui me correspondait le mieux, qui correspondait le mieux à Manon. Mm-hmm. Et sur le moment, effectivement, le tandem Majdi Chamas et Nima Safapour. En plus, Nima étant avocat, c'était plus facile pour accomplir certaines démarches. Et puis, Manon a choisi. Et ça s'est très bien passé. C'était le manager de Ramzat, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et en fait, il me suivait déjà depuis les IMAF. Ah oui, d'accord. C'est ce qui a fait aussi la différence. Il est dans le train depuis Day One. Il avait repéré déjà. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi, lui ? Vous sentiez plus compétent ? Franchement, moi, je l'avais sélectionné pour sa compétence. Ouais. Et après, c'est Manon qui a choisi. D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez toujours avec lui ? Oui, non, vous n'avez pas repris votre indépendance ? On co-manage plusieurs athlètes ensemble. D'accord. Parce que j'ai totale confiance en eux et c'est des gens très compétents. En quoi ça consiste d'être le manager, coach, mari de Manon Fiorot, mais surtout le manager de Manon Fiorot ? À quoi ça ressemble cette En fait, je pense que le management, c'est un boulot vraiment qui prend énormément de temps parce que c'est la gestion des sponsors. C'est éviter de perdre du temps et d'essayer de grouper un maximum de choses lors de la négociation même des contrats. Parce que des fois, des marques, elles te sollicitent, mais elles te demandent de venir sur 10 fois par an sur des trucs. Ça fait perdre un temps fou. Donc, vraiment, l'important, c'est de trouver une image de marque qui corresponde à Manon, qu'elle n'ait pas à surjouer le truc, et d'essayer de libérer un maximum de temps pour l'entraînement et la récup. Bien que, de temps en temps, il faut aussi aller promouvoir les marques. Mais avant même de parler de matchmaking et trucs comme ça, c'est vraiment ça qui est important parce que c'est... Ces sponsors qui te permettent de te consacrer à ton entraînement, de ne pas paniquer quand tu es blessé,
Et c'est vraiment important. Et oui. Vous faites des contrats sur un an pour sécuriser ? Vu que son image de marque, elle évolue et qu'elle grimpe dans les classements, ouais, pour l'instant, on ne fait pas d'engagement à très long terme. Ouais. D'accord, ok. Et alors là, tu tournes à combien de sponsors, par exemple, pour pouvoir vivre confortablement de ta passion ? Je te laisse répondre. Je crois que j'en ai 5 ou 6. 5, ouais, mais 5 solides, par contre. Ouais, 5 solides, ouais. D'accord. Donc, à l'époque, à la force de tes poings, tu finis par réussir à t'introduire à l'UFC. Est-ce que tu te souviens de ce jour où tu apprends que ça y est, tu entres à l'UFC officiellement ? Ouais, carrément, parce que en fait, Aldric me l'avait promis pour Noël déjà. Ah ouais, génial. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Cadeau. Il est bien là, là, l'UFC. C'est ça, c'était la veille de Noël. Je peux t'envoyer ma liste ou pas, Aldric ? Un genou, s'il te plaît. Et non, ouais, franchement, ça reste encore un de mes meilleurs souvenirs, en fait. Quand on t'annonce que tu vas signer à l'UFC, c'est, je sais pas, c'est la consécration, quoi. C'est... Ouais. Après, je trouve qu'une fois, là, tu vois, une fois que j'y suis, les combats, ils évoluent, tout ça, mais j'ai plus... Quand on m'a annoncé vraiment que j'avais signé à l'UFC, c'était vraiment fou, cette sensation que j'ai eue, quoi. C'est vrai, tu l'as déjà ressenti après ? Non, pas pour l'instant. Tu penses que tu vas ressentir ça quand on va t'annoncer que tu combats pour le titre, par exemple ? Ouais, je pense. Ouais. Je vais gagner, la ceinture. Ouais, que je combats, bon, ouais, à ce moment-là. Hein, c'est... Et alors, réaliser un rêve aussi grand, j'imagine que tu en es fier. J'imagine qu'Aldric, toi aussi, tu en es fier en tant qu'entraîneur. Ça porte un petit peu le club, ça porte un peu tes partenaires. Je pense que, en fait, ça montre aux gens, parce qu'on a, tu sais, ça a été vraiment la mode pendant un moment de penser qu'à l'étranger, t'es bien placé en plus, pour en parler. Et du coup, je pense que ces accomplissements font que les gens se disent, bah, ok, on peut arriver à avoir une carrière pour être dans le top 5 et même première mondiale à l'UFC, sans pour autant aller s'entraîner dans un club ricain ou japonais ou brésilien. Donc, ouais, je pense que ça, en fait, ça a fait prendre conscience, et pas qu'à mes gars à moi, hein, aux gars de tout l'Hexagone, qu'on peut arriver en France, du début à la fin. Que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais tu t'es quand même basé et servi de ton expérience que toi-même tu as acquis à l'étranger. Tu le sais justement parce que tu es parti à l'étranger. Clairement, moi je suis toujours assez sceptique et dubitatif sur le fait d'entraîner quelqu'un sans être allé voir comment ça se fait ailleurs, d'entraîner quelqu'un sans être toi-même monté dans une cage. C'est pas le football, le MMA, ça reste un sport individuel où il y a beaucoup, il y a une grande place aux émotions et à la pression. Et si tu l'as pas ressenti toi-même, je dis pas que c'est impossible, hein, mais je suis assez dubitatif quant au fait d'être efficient et de comprendre ton fighter si toi tu n'es pas passé par là. Donc je mets à profit cette expérience. Mais moi je pense que c'est carrément impossible. Tu peux pas dire, hein, tu peux pas coacher un mec, lui dire tu vas rentrer dans la cage sans avoir vécu toi ce que c'est. Comment tu veux lui parler, c'est ce coaching mental qui est tellement important. Là-dessus, je te rejoins, mais à 100%. Mais alors justement, Aldric, toi, tu as été un combattant aussi, émérite, gros palmarès. T'es plutôt jeune d'ailleurs. ça commence. Ça, parce que j'ai 50 balais, ça va, il est plus jeune. J'ai le droit aussi. Mais alors, tu étais en questionnement à savoir est-ce que tu arrêtes ta carrière de combattant ou pas. Et puis finalement, la carrière de Manon a pris un essor et tu as mis tous tes œufs dans le panier Manon, tout simplement. Comment tu as vécu ça Parce que quelque part, tu as abandonné une partie de toi pour te consacrer sur ce projet. Ouais, ça s'est fait naturellement. Après, moi, j'ai été entraîneur combattant. Au football, ça existe vraiment. Il y a un truc qui s'appelle entraîneur-joueur, tu sais. Mais en MMA, moi, la plupart des mecs de la première génération du Boxing Squad, les Miguel Haro, Eddie Missouri et compagnie, ils ont plus appris parce qu'ils faisaient du sparring avec moi que par mes qualités de coach dans la mise en place d'une préparation. Après, maintenant, on a aussi... Mais je sais pas, elle doit avoir au moins 200 heures de gants avec moi, de mise de gants et de... C'est vrai? Ouais, parce que la boxe anglaise, notamment au corps à corps, elle avait du mal au début. Tu sais, les karatékas, ils aiment pas trop ça, ça les noie. Donc, on en a passé du temps à mettre les gants. C'est pas dur, ça, entre mari et femme? Elle fait bien la part des choses. Ça dépend de l'intelligence des uns et des autres. Et de l'ego, de la gestion de l'ego, ouais, c'est surtout ça. C'est plutôt ça on en a passé, hein, je pense, plus de 200 heures à se parer ensemble, de très près. Je lui faisais faire des rounds interminables. Tu te rappelles la longueur des rounds? Des rounds de 40 minutes. Mais il n'y a pas. Si tu rigoles, là. Si tu douches un peu dur, t'as tendance à. Bah, chérie, excuse-moi, ou non, on continue. Il n'y a pas de. Non, mais parce que il s'en fout. Non, mais parce que son projet, il est clair, en fait. Il sait pourquoi il fait ses rounds. Il n'y a pas de place à ça. Non, vraiment. Mais en fait, c'est parce qu'elle est très intelligente aussi, parce qu'il n'y a aucune place là-dedans. C'est-à-dire que c'est le travail, c'est l'entraînement, ça fait mal, c'est dur, on souffre, mais il y a le but qui est derrière ça et il y a un objectif et on le lâchera pas tant qu'on l'aura pas eu, quoi. Vous arrivez vraiment à compartimenter. Ouais, vraiment, c'est compartimenter. Même pendant le coaching, il n'y a aucun doute
Il n'y a rien. Ouais. C'est le coach et l'athlète, il n'y a rien d'autre que ça. Et c'est plus tard après, c'est le jour d'après, le lendemain, la semaine d'après. Tu vois. Mais alors moi, c'est ça que j'aime bien chez vous, c'est qu'il y a une complémentarité assez exceptionnelle. C'est-à-dire que chacun nourrit le projet de l'autre et vous vous élevez mutuellement ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Parce que là, on est sur une success story qui se construit dans l'amour en plus. Tu vois, non, mais incroyable. Et qui va au top niveau, quoi. Parce que là, c'est ça vous emmène loin. C'est-à-dire que cette base, elle les emmène loin. La question que je me pose, c'est à quoi ça ressemble la vie de... Alors là, c'est une question complètement gossip. Hein. À quoi ça ressemble la vie d'un couple dans le MMA Parce que vous êtes totalement habité par le MMA du matin au soir. À un moment donné, si ça ne va pas dans le MMA, c'est tout le couple qui ne va pas bien. Mais en fait, il n'y a rien qui ira pas dans le MMA. On sait qu'une carrière... Moi, maintenant, je l'ai déjà préparé 1000 fois. Peut-être que la défaite, elle n'arrivera jamais. Franchement. Et c'est possible. Après... Tu sais comment ça se passe, il y a 80% de technico-tactique et il y a 20% qui sont un peu durs, un lucky punch, tu glisses, une blessure. Donc le MMA, ça ira toujours. Même si un jour il y a une défaite au milieu, on la gommera et on passera au-dessus. Après, moi je pense que je peux encore faire ça 7-8 ans. Elle, il lui reste 4-5 ans de carrière. Ouais. Et moi, je pense que je ne ferai pas plus que... Allez, 10 ans max. Ça prend... En tant que coach, tu veux dire. Ça prend trop d'énergie. C'est énergivore, tu vois. Là, on vient de passer la pesée de Virgil Hogan qui combat à Arès samedi. Je passe mon temps dans l'émotion en fait. La semaine prochaine, c'est Sofiane Boukichou à l'UFC Warrior. Enfin, après, on va à Vegas pour voir Valentina et le combattre et que maintenant elle fasse ses tests à l'UFC. Ça s'arrête jamais l'émotion en fait. Donc, pour l'instant, j'aime. Mais je pense qu'à un moment, ce sera trop dur. On en parlait ensemble. Est-ce que vous vous aménagez des moments off qui n'ont rien à voir avec le combat? Pour l'instant, honnêtement, il n'y en a pas. Et le vélo aussi, le vélo quand même. Bah, les moments, c'est de l'entraînement. C'est toujours, c'est toujours autour de l'entraînement. ça tourne toujours, là, un point central et on tourne autour. Ouais. Donc non, pour l'instant, vous êtes 100% focus. On verra ça plus tard. Ouais. Et tu penses que le fait d'être focus comme ça, c'est ça qui fait la clé de succès de votre binôme? Je pense que quoi qu'il arrive, le talent, c'est primordial pour évoluer vite. Mais ce qui fait que tu restes à haut niveau et que tu gagnes à haut niveau et que tu es inscrit à légende, c'est le travail. Le MMA, c'est un sport qui a besoin de répétition parce qu'il y a trois sports différents qui viennent se mêler les uns les autres. Ça dure 15 minutes ou 25 minutes. Et si tu ne travailles pas, au bout d'un moment, si le talent te force à réfléchir, tu as perdu. Il faut que ce soit instinctif et que tout soit fait, tout soit fait naturellement. Et pour que ce soit fait naturellement, il faut avoir travaillé en amont. Et est-ce que tu comptes aussi lui transmettre la passion des sneakers? Elle l'a déjà. J'ai vu, ouais, non, mais j'ai vu aussi. J'ai remarqué. Tu kiffes. Non, mais ça, on s'envoie par Instagram, on s'envoie les... Ah oui, une passion de collectionneur commune, d'accord. Oui. Passion commune pour la sneakers et les habits en général, voilà. la culture. Mais nous en aussi, général. Avec Manon, on a une passion commune, le chocolat. Hein, oui, ah oui. On échange nos idées. Et les genoux un peu. Ah oui. Non, mais alors ça, on va en parler. C'est le moment dur. C'est notre moment dur en ce moment. T'as vu la transition un petit peu. Elle est pas mal. Il y a un vrai avantage quand même à être un couple comme eux dans le MMA, c'est que pendant le confinement, moi j'étais enfermée chez ma mère. Manon, elle était avec son coach à driller. Elle a passé 2 grades en 2 mois. Ça, c'était vraiment cool. Je vais pas mentir, j'étais un peu jalouse. Non, franchement, c'est génial de pouvoir avoir son coach qui est à la fois. Son mentor qui te montre la voie, qui te cadre, mais en même temps, est-ce que parfois, c'est pas dur? Parce qu'on le voit avec des filles, par exemple, qui ont leur père qui est coach, on le voit parfois, c'est très dur parce qu'ils sont très durs avec elles, et quand elles rentrent à la maison, c'est encore dur. Est-ce que parfois, ça, c'est pas un peu trop dur? Bon, moi, j'essaye d'être juste, mais par contre, le travail, il est dur. Mais même pour, je veux dire, c'est tous mes gars qui sont logés à la même enseigne, et si tu me fais confiance, c'est du début à la fin. Ouais. C'est pas, tu fais un peu avec moi et tu... Je sais que c'est dur, mais je sais pourquoi aussi. Parce que tu sais que c'est un sport dur, tu le pratiques aussi. Et quand tu as les pulsations qui sont au maximum et que tu as le front en train de saigner parce que tu as pris des coups de coude dans la tête, si tu n'as pas répété avant et si tu ne sais pas exactement quoi faire, tu ne fais plus rien. Et toi, maintenant, du coup, quand c'est dur comme ça, tu les vis comment, les choses? Tu arrives à vraiment te dire « Ok, je fais confiance ». Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des moments où on est fatigué. Oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment ça qui est dur. Et que des fois, pas jalouse, mais en fait, je vois les autres, s'ils ne veulent pas aller à l'entraînement l'après-midi, ils n'y vont pas. Ils veulent dire « Allô, je suis malade, je n'y vais pas ». On n'est jamais content. Mais en fait, moi, je pense que je n'ai jamais loupé un entraînement, du coup, parce que je pars avec lui. Donc maintenant, oui, il y a des jours. Je peux pas dire que je suis malade, voilà. C'est ça. Donc non, c'est vrai que des fois, c'est dur. C'est même très dur, en fait. Non, franchement, les fins de préparation, tu sais, pendant le régime, tout ça. Bien sûr. Oui, c'est dur, franchement. Bon, mais il y a une compréhension mutuelle à ce niveau-là, oui, par contre. Oui, bien sûr. Là, oui, ça. Après, ça va vous encaisser tous les deux, ça, c'est bien. C'est plus facile. Ça, pour monsieur tout le monde, c'est pas forcément compréhensible. Je suis d'accord. Tu as fait un sans faute à l'UFC. Tu étais bien parti pour combattre pour le titre et finalement, tes projets ont
entre guillemets, un peu été ralenti par une blessure au genou. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Ça vient d'où cette blessure ? Alors, je me suis blessée en entraînement. C'était vraiment, je crois que c'était en lutte sur une attaque. Mon genou, il est resté bloqué et non. Ça a craqué. Enfin, vraiment un truc tout ça bête. A vrillé, ouais, c'est ça, ça a vrillé. J'ai entendu craquer et ça a vrillé. Franchement, c'est... je pense que c'était fin de semaine. Donc voilà, il y avait la semaine d'entraînement, peut-être un peu la fatigue, tout ça. Le garçon, il était un peu plus lourd aussi. Et voilà. Tout bête. Ouais, donc, pas tous les ingrédients réunis. Et donc, c'est le LTA qui a pris. Ouais, ligament croisé antérieur, ouais, c'est ça. Mais alors, pourtant, tu avais déjà fait un combat avec le ligament abîmé, tu avais tenu le coup et c'est après qu'il s'est cassé. Oui, ça, c'est la première fois. Donc là, en fait, c'était une rupture partielle. Ah, d'accord. Voilà, en fait, là, j'aurais dû combattre du coup à l'UFC Paris. D'accord. On a dû décaler parce que. À cause de cette rupture. À cause de cette rupture. D'accord. Et vu que c'était partiel, on a d'abord tenté donc une réathlétisation sur le genou, qui a pas trop mal marché. Je me sentais bien. Enfin, en tout cas, mon genou, il était stable. Je me sentais capable de combattre du coup à Abu Dhabi. Et en fait, pendant le combat à Abu Dhabi, après, je ne sais pas si je l'ai déjà recassé pendant la prépa, parce que la fin de prépa, elle a été dure aussi juste avant le combat. J'avais quand même des douleurs au genou. Mais c'est vrai que sur le combat, j'ai vraiment senti que je n'étais pas stable, en fait. Ah ouais. Enfin, dès le début du round, en fait, sur un déplacement tout simple, j'ai entendu un craquement et mon genou qui est un peu parti. Et voilà, après, j'arrive à finir le combat comme ça, mais je sentais que ça n'allait pas. Je ne pouvais pas envoyer mes kicks, je ne pouvais pas combattre comme je le fais d'habitude. Et puis, ton style, il est surtout basé sur les déplacements. Donc, si on t'enlève un genou, c'est très compliqué quand même. Après, heureusement, on avait beaucoup travaillé sur l'anglaise. Et, d'accord. Et du coup, bah, je suis arrivée à battre quelqu'un. Même l'anglaise, t'as besoin de tes jambes. Hein. Ouais, c'est ça, mais j'avais vraiment pas tout ce qui est push kick, ce que je fais d'habitude, d'accord. Je l'avais pas du tout. Donc là, c'était 100% anglaise. Quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous remettre rapidement de cette blessure ? Écoute, on a vraiment croisé mon passé dans le football et le M1 parce qu'on a pris. C'est vrai que t'étais dans le football, ouais. Ouais, j'y ai passé pas mal d'années, presque 20 ans. Donc, Mais il n'a jamais supporté le PSG. Et ça, c'est. Et donc là, cette expérience t'a amené. Ouais, parce que c'est aujourd'hui le genou, c'est même à l'UFC, j'avais les stats de l'UFC Performance Institute, c'est 1,7 fois par carrière pour les top 5 de l'UFC. C'est-à-dire tous des mecs comme Camaro, Georges Saint-Pierre, ils l'ont fait deux fois quasiment. Ah ouais. Donc c'est des blessures, il faut savoir vivre avec. Aujourd'hui, dans les années 80, on te disait fin de carrière. Aujourd'hui, plus du tout. C'est quelque chose de parfaitement normal. Donc les gens du football sont avancés. Je prends l'exemple de Zlatan Ibrahimovic. Croisé, opéré 20 mai, but de la tête le 21 août. En 3 mois, il est revenu. C'est une folie. Mais il l'a fait. Mais il l'a fait, c'est incroyable. C'est pas parce qu'on a pris le même chirurgien qu'on attend la même chose de Manon. Cela étant, on est très confiant pour que Manon soit sur la carte d'un gros UFC au mois d'août ou au mois de septembre. On ne peut pas en dire plus, mais je pense que les supporters français seront contents. C'est jouable Ouais, largement. Ouais. Ouais, elle, là, commence alors, déjà. Elle est en avance dans sa prépa. Ouais. Alors, mais quel protocole vous avez mis en place ? Enfin, quel protocole ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Concrètement, il y a un kiné spécialiste du sport qui travaille avec elle, un docteur en sciences du mouvement, un préparateur physique qui s'occupe que de la partie cardio et un préparateur physique qui s'occupe de la partie mobilité. D'accord. Voilà. Et alors, avec tout ça, tu nous fais un planning, j'imagine, encore à 3-4 heures par jour ? Ouais, c'est ça. C'est vrai ? Les journées sont autant chargées que quand je m'en vais. C'est vrai ? T'as eu zéro repos depuis ta blessure ? Bah si, après l'opération, forcément. Combien de temps ? 3 semaines, où j'ai vraiment eu mal, par contre, après l'opération. Donc là, j'étais vraiment couchée, j'ai rien pu faire. Et après, dès que j'ai pu commencer à me lever, à aller chez le kiné, c'est reparti. Et toi, qui es une hyperactive, rester en stand-by comme ça, c'est... Ça a été dur, mais pas tellement, en fait, parce que justement, j'avais enchaîné tous les combats à l'UFC, toutes les préparations, on n'avait pas trop pris de repos entre les combats. Donc, et franchement, ça m'a fait du bien au début. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait ? Question gossip encore. C'était le cinéma. Rien de spécial, ouais, cinéma. Ouais. Et là, ouais, donc tu me disais, ouais. Voilà, là, si on regarde un petit peu ce qui est fait les échelles de planification, on est un bon mois en avance quand même. D'accord. Parce qu'elle arrive à faire des bons latéraux, des déplacements antéro-postérieurs, et du coup, normalement, à 3 mois et demi, on ne le fait pas du tout. Ouais, t'es sur le bozou, tu me disais déjà, là, donc c'est vachement, ouais. Il y a certains tests qui se font à 6 mois qu'elle serait déjà capable de faire maintenant. Voilà, d'accord. Franchement. Après, on ne va pas aller plus vite. Oui, bien sûr. La course, on n'avait pas encore. Il manquait un peu d'extension. Elle la reprendra que la semaine prochaine. Mais c'est beau quand même. Très bien. Ça va très bien. La course reprend à ce stade. Et donc, avant de conclure, parce que malheureusement, l'émission ne dure que 30 minutes, je suis frustrée. Quelle est ta prochaine adversaire ? Tu sais déjà ça ? Non, je ne sais pas. Après, mais tu voudrais quelqu'un ? Ouais, je voudrais quelqu'un. Mais après, il y a Rose Namajunas qui a elle-même annoncé qu'elle voulait monter de catégorie. D'accord. Donc, ça t'intéresse ? Forcément, ouais. Surtout que j'aimerais vraiment faire un main event, du coup, pour avoir un combat avant la ceinture. Mm-hmm. Je pense que Rose Namajunas... Est-ce que ça l'intéresserait, bon elle ? C'est ça la question.
En tout cas, pardonnez-moi le terme, c'est casse-gueule pour elle. Hein. Ah, c'est très casse-gueule. Ah oui. Après, mais ce serait un tel beau matchmaking. On ne l'a pas inventé. Je veux dire, aujourd'hui, l'UFC l'a déjà envisagé. Oui. Nous ont déjà demandé notre avis à nous. Après, on verra. On ne peut pas promettre que ça va se faire. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui sort de l'imagination de Manon ou de moi-même. C'est quelque chose de concret quand on parle de ça. D'accord. Après, on verra. Il y a un combat qui va se faire samedi là, entre Erin Blanchfield et Andrade. Il y a Valentina qui va défendre sa ceinture. On verra ce qui va se passer, mais c'est quelque chose qui est possible. D'accord. Qui est très possible. Et Valentina, ça sera après un ou deux combats après un combat et puis... Ouais, un combat, et moi j'aimerais le faire. Okay. Ouais, ouais. Alors, en tout cas, tu disais que tu te donnais à peu près 3-4 ans pour finir ta carrière, c'est ta deadline. Est-ce qu'il y aurait un petit combattant là-dedans, dans ce projet, dans les prochaines années, après une carrière? Vous avez envie d'avoir des enfants? Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Eh ben, on a hâte de voir le petit tueur à gages que vous allez nous faire. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Il y a d'autres rendez-vous pour le MMA français. Regardez le calendrier, il est très très chargé. Alors déjà le 25 février, le Bellator de Dublin à suivre de très près car il pourrait y avoir des conséquences sur la fight card du 12 mai à Paris-Bercy. Ensuite, le même week-end, UAE Warrior mettra à l'honneur des combattants que tu connais bien, Aldric, puisque tu les manages, Sofiane Boukichou et Souhil Tahiri, deux combattants extrêmement talentueux. Le 4 mars, rendez-vous immanquable, le MMAGP au Zénith de Paris avec Cédric Doumbé en main event face à Pavel Klimas, ainsi qu'une ceinture chez les Flyway entre Michael Algerouge et Zoubir Bouarsa. Gros choc dans cette catégorie. Le 9 mars, il y aura également Arès. Le 11 mars, Hexagone MMA au Futuroscope. C'est une grande première avec deux titres en jeu. Le 17 mars, Morgan Charrière fait son retour au Cage Warrior. Et le 25 mars, eh bien, c'est le comeback de Clara Ricciagnolo dans la cage du PFL. Rien que ça. Et on attend forcément le retour de Manon Fiorot. C'est celui-ci qu'on attend le plus. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous. C'était top. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes à la maison ici. Ah oui. Merci Seb. Merci. Et puis, on se retrouve très vite. Merci pour votre fidélité. À très vite sur Sport en France.